Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui, on va faire un HIIT, donc on travaille 30 secondes, 15 secondes de récupération. Mais avant ça, j'aimerais vous parler de faire une petite parenthèse sur les complexes. Vite fait, hein, je ne vais pas vous embêter trop longtemps avec ça. Simplement vous dire que les complexes, on en a tous et toutes. C'est des choses qui peuvent gâcher la vie, vraiment, gâcher la vie. Je parle en connaissance de cause. Et en fait, je pense qu'il faut vraiment essayer de passer au-delà de ça. Parce que c'est tellement triste, en fait, de se gâcher la vie pour des complexes. Par exemple, moi, je suis complexée sur mes cuisses et mes fesses parce que j'ai de la cellulite. Et que c'est compliqué pour moi voilà, de gérer ça. Mais pour autant, c'est pas évident, mais ça fait depuis quelques années que je fais un travail sur moi-même. Et donc, du coup, j'apprends à m'aimer, j'apprends à respecter mon corps et en prendre soin. Mais je sais que c'est là. Je sais que cette cellulite est là, bien ancrée, et que je ne pourrais pas m'en séparer comme ça, à moins voilà, de faire des choses très restrictives niveau alimentation. Et puis, mais est-ce que j'en ai envie? Non. Franchement, non. J'aime bien manger des gâteaux. Vous le savez, hein, j'adore manger. Et pour moi, ça serait trop une contrainte. Par pur esthétisme, en fait, parce que je suis en bonne santé, je sais que j'ai du muscle, mais c'est vrai que j'ai une bonne couche de gras. Et une amie, une très bonne amie à moi, donc Alicia, que j'embrasse, m'a dit, mais écoute Noélie, qu'est-ce que tu ferais si t'avais zéro complexe? Et en fait, oui, si j'avais zéro complexe, je ferais ce que je vais faire aujourd'hui avec vous, c'est-à-dire un HIIT en short. Voilà, j'ai jamais fait ça. Je me suis jamais mis en short devant qui que ce soit, à part si peut-être mes parents ou voilà, mais bref. Mais c'est quelque chose qui est assez difficile pour moi, de par le jugement des autres et pardon. Et aussi le mien, c'est surtout le mien, parce que faut savoir que le jugement des autres, ben, c'est son jugement à soi que l'on fait ressortir. Donc du coup voilà, je vais faire cette séance avec vous en short. Je vous cache pas que je suis un petit peu j'appréhende un peu, mais ça va aller puisque tout va bien, je suis en bonne santé. Voilà, c'est mes complexes doivent passer au-dessus de ça. Il y a tellement de choses beaucoup plus importantes que juste ça, en fait. Donc, allons-y. 30 secondes de travail, 15 secondes de récupération. Je vous laisse vous échauffer juste avant. Et puis, ben, on y va. Allez. On commence avec squat 3 petits. 1, 2, 3 et tu sautes. 1, 2, 3 et tu sautes. 1, 2, 3 et tu sautes. Essaie de pousser tes fesses le plus en arrière possible. Si tu ne peux pas sauter, tu fais la même chose en montant pointe de pied. 1, 2, 3. 1, 2, 3 ou pointe de pied. Descends bien. Après, on se retrouve au sol. Ouh, relâche. Relâche les cuisses. Deuxième, tu es au sol. Tu vas faire, je te montre. 1, 2, 3, d'accord? Tu poses tes genoux, tu fais une pompe. Ok? Allez, go. 1, 2, 3, et pose tes genoux, pompe. 1, 2, 3, pose tes genoux, pompe. Est-ce que ça va chez toi?
Allez, respire. Ok. Tu remontes. Le prochain. Je suis très à l'aise. Tout va bien. Prochain, fente arrière. Pied droit. Tu ouvres bien. Et tu restes en fente. Allez, go. On reste en bas. Tu vas placer tes mains ici, sur les côtés. Fais attention à ton genou. Rentre ton nombril. Allez, respire bien. Souris à la vie. Ok. Prochain. Tu vas faire des sauts sur place. Tu vas twister ton corps. Tu gardes ton buste fixe, mais tu twistes. D'accord ? Si tu peux pas, tu fais la même chose en haut. Allez, go ! Quand tu y vas, fixe bien, rentre ton nombril. Travaille les obliques. Allez, respire, respire. Essaie de tourner le plus possible ton bassin de chaque côté. Ouh, il tue celui-ci. Ok. Fente arrière gauche. Mette là. Pied gauche derrière. Pied droit devant. Les mains au niveau de la tête. On y va. Fais attention à ton genou devant. Il ne dépasse pas la pointe de pied. Respire bien. Essaie de rester vers le sol. Entre ton nombril. Ok. Prochain, les burpees. Tu les connais. Tu poses tes mains. Tu dégages pied droit, tu dégages pied gauche. Pose tes genoux. Bon. Tu remontes. Et tu fais un petit saut. D'accord ? Allez. Garde ton dos plat. Toujours. Très bien si tu es en forme, sauter. Hein. Ok. Ça va? Très bien. Prochain. Équilibre. Simplement l'équilibre. 15 secondes de chaque. Place ton pied sur ton genou et tu vas placer tes bras en l'air. Tu ne bouges plus, reste en équilibre. Ça paraît simple, mais quand on vient de faire des burpees juste avant, c'est un peu plus compliqué. Tu changes de jambe. Hop. Rentre ton nombril. Serre périnée. Rentre le ventre. Et respire. Ok, on reprend. N'oublie pas de boire un petit coup. On reprend le premier, tu t'en souviens? Trois petits squats, un saut si tu peux. Pied largeur du bassin. Go! 1, 2, 3, saute! 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Souffle! Si tu ne peux pas, tu montes juste sur tes pointes de pied. Pointe, tu serres tes fesses. Allez, courage. C'est ça. Ok. Prochain. Gainage, tu ramènes les genoux. Quatre fois, tu fais une pompe. Si tu ne peux pas, tu restes en statique. Hein. Tes mains sur tes épaules. Go. Pause, descend.
3, 4. Allez, respire, inspire, souffle. Allez, on tient. Allez. La fente, arrière, pied droit. Tu te prépares. Pied droit derrière, pied gauche devant. Go. Rentre bien le nombril. Allez, tu respires. Hein. Est-ce que ça va chez toi? Je pense, j'en suis sûre même. Si ça va pas, relâche tes bras déjà. D'accord? Ok. Tu te souviens, c'est le twist de chaque côté. Alors, short, ça remonte. Hein. Reste pieds joints. Fixe tes épaules. Go. Calque ta respiration. Tourne bien ton bassin. Gauche. Go. Allez, respire bien. Rentre ton nombril. Inspire, expire. Ok, tu relâches. Les burpees. Donc je te rappelle, tu poses tes mains au sol, tu gardes ton dos plat, tu dégages pied droit, pied gauche, et tu remontes tout seul. Tu fais le petit pont. Garde toujours ton dos bien droit. Gaine toujours, hein. Vaut mieux que tu sois beaucoup plus lent et que ton geste soit sûr plutôt que trop rapide, que tu te fasses mal au dos. Ouh, ok. Posture de l'arbre, 15 secondes de chaque côté. Rentre ton nombril, serre le périnée. Tu tiens. Tu changes. Hop là. Pousse sur tes doigts. Ouvre bien ton genou, rentre le nombril. Serre le périnée. Ok, parfait. Et reprends. Le premier. Trois squats. Un saut. Ça va chez toi? Moi ça va. Ok, go. 1, 2, 3, tu sautes. 1, 2, 3, tu sautes. Parfait. Pousse bien tes fesses en arrière. Hein. Rentre ton nombril. 1, 2, 3. Sur l'explosivité au niveau des cuisses. Ok, parfait. La planche, je monte 4 genoux, je pose, je fais une pompe.
Go. 3, 4, pause. Bon. Tu peux faire tes genoux plus lentement. Toi qui vois. En tout cas, continue. Hein. Essaie de bien descendre à chaque fois. Quand tu fais la pompe, essaie de descendre assez bas. Puis tu remontes. Si tu sens que tu creuses au niveau de ton dos, bah, descends moins bas pour le coup. Ok? Allez, courage, tiens, jusqu'au bout. Hein. On va reprendre pour les fentes. Pied droit derrière. Respire. Hein. Envoie bien ton pied gauche loin devant toi. D'accord? Allez, go. Les mains sur les côtés. Reste bien en bas. Ok. Ouh, les cuisses. Fixe tes omoplates. C'est ton bassin qui tourne. Serre tes pieds. Go. Allez, allez, hein, on tient. On fixe. Wow, ok. Allez. Il nous reste juste 3 exercices. Et c'est fini, ok? La fente arrière, pied gauche. Go! Allez, tu respires bien. Burpees. Tu poses tes mains, tu dégages. Saute ensuite. Pose. Dégage. Pose tes genoux, descends. Remonte. N'hésite pas à faire les options. Plus dur avec les deux pieds en même temps quand tu descends. D'accord? C'est toi qui vois, ok? Ok. Dernier. L'arbre. Posture de l'arbre. 15 secondes de chaque côté. Go. Ouvre bien entre le nombril. Ok, change. Je crois que j'ai un petit peu abusé des 15 secondes pour le premier. Tu vas rester un petit peu plus longtemps si tu peux, à moins que tu aies changé. Encore. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, tu relâches. Ok, on a fini pour cette séance. Je te remercie d'avoir fait cette séance avec moi. Maintenant, n'oublie pas. Le regard que tu portes sur toi, il faut que tu le changes. Parce que souvent, tu penses que c'est les autres qui te regardent mal ou qui te critiquent. Mais au final, c'est toi, ton propre critique. Et c'est le plus exigeant et le plus dur en général. Donc, change ton regard. Et je sais que c'est pas facile. Là, ce que je viens de faire aujourd'hui, devant vous en short, jamais
J'aurais pensé pouvoir le faire un jour. Vraiment, jamais. Et aujourd'hui, j'ai décidé de le faire. Peu importe ce que je peux recevoir comme critique. L'essentiel, c'est moi. Et me sentir bien comme ça. En tout cas, je vous félicite pour votre séance de HIIT. Et je vous souhaite une très très bonne journée. Et prenez soin de vous.